Hey, salut tout le monde, c'est Dormant57. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ouverture d'un énorme collier. Faut dire ce qui est, regardez-moi ça, il est énorme. Mais avant toute chose, je tenais à vous dire un grand merci à tout le monde, parce que les gars, on a franchi la barre des 300 abonnés. Hier on l'a franchi, aujourd'hui on est déjà 309 abonnés. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vous remercie vraiment. Actuellement cette vidéo devrait sortir le week-end du CDF, peut-être même vendredi. C'est une vidéo qui est censée... En fait, cette vidéo n'était pas censée arriver là, mais le week-end dernier, j'ai complètement pété un câble en voyant en fait le nombre d'abonnés qui explosait, tout ça. Je me suis dit, il faut que je fasse une bête d'ouverture, il faut que je fasse un truc de fou, vraiment que je peux même dire certains youtubeurs n'ont pas fait, parce que j'y ai mis le budget, j'ai fait cramer la CV comme diraient certains, mais tout simplement, voilà, c'était... Voilà, il y aura des vidéos concours, tout ça. À l'heure où je vous parle, il y a encore beaucoup de vidéos d'édition spéciale qui ne sont pas sorties. Je pense qu'à l'heure où vous allez regarder cette vidéo, donc je pense qu'elle sortira sur le coup de 15h, vers 17h, il y aura une autre vidéo. Donc cette fois-ci, je sortirai deux vidéos. Ça, c'est une vidéo remerciement. Et pour vous montrer ce qu'il y aura en plus dans les prochaines vidéos, sachant qu'en plus, bah, déjà, toutes les vidéos d'édition spéciale ne sont pas sorties. Il manque encore Rage des guerriers, Tempête de Ragnarok, si je ne dis pas de bêtises, et une autre. Mais bon, ça c'est la petite surprise du chef. Donc les gars, là franchement, on va s'ouvrir ça et croyez-moi, c'est du très lourd. Aussi les gars, je voulais vous dire comme quoi je vais participer au CDF avec Obscurity, que vous voyez là, la Team Ixid et le petit Seto Yu-Gi-Oh qui lui fête ses 100 abonnés cette semaine. Un grand GG à lui. Voilà, donc je participe tout simplement au CDF. Donc c'est mon deck Revolver Dragon. Donc si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller voir justement Obscurity qui a fait un deck profile sur mon deck. Alors, ce n'est pas vraiment le même deck puisque le deck profile était plus basé sur le fun. Là, j'ai joué sur la compétition. J'ai mis par exemple 3 Demise, Demise que je n'avais que en une fois quand vous allez voir la vidéo. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, lien dans la description et vous verrez tout ça. Donc moi, je joue vraiment avec un deck fun, mais je veux faire quelque chose. Donc ouais, c'est plutôt un deck Revolver Dragon Burn, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, je serai présent là-haut et donc... Bah ça sera vraiment sympa, c'est la première fois que je fais un aussi gros event tout simplement, donc n'hésitez pas à venir nous parler, on va pas vous manger, et au contraire, on est là pour ça. Bon voilà les gars, ouverture du collier, ne tardons pas plus que ça parce que franchement, ça fait voilà quelques heures que justement, voilà, j'attendais pour l'ouvrir et le voilà enfin. Alors, hop, bon, il est vraiment très grand, franchement c'est une énorme commande. Donc je ne sais pas si vous verrez tout lors de l'ouverture. Voilà, si, ça rend bien. Ah, ils l'ont blindé en scotch. Il n'y a pas à dire qu'ils l'ont bien blindé. Ah, ouh, ça fait plaisir. Ouh, ça fait plaisir. Bon, les gars. Il y a des dispers. Il y a pas mal de displays. Alors on va commencer par quoi? On commence par une petite deck box. Alors attendez, j'ai fait un petit focus comme ça. Hop là, une deck box orange. Une deck box bleue. Voilà. Donc ça il m'en fallait justement parce que bah, j'ai pas mal de decks. Ensuite, un petit playmat Kaiba qui est sorti là récemment. Je trouve vraiment sympa. Donc 15€, pas cher. Donc, je l'ai pris. Également, voilà, le Trade Builder Kaiba, qui franchement il envoie, il est vraiment sympa. Deux éditions spéciales, parce que voilà, je me suis dit, il faut que j'arrête de faire des ouvertures un peu rétro, que je me lance un peu plus dans les nouveaux boosters, enfin nouveaux, même si à l'heure où je vous parle, Flamme de la Destruction vient de sortir, voilà, je voulais quand même ouvrir deux éditions spéciales. Et ensuite, j'ai pété un câble, nous avons que ça. Nous avons que des displays duelistes légendaires. Donc là, vous en voyez 3. 5. On va mettre là en dessous. Là, il y en a encore 2 autres. 7 et 8. Il y a 8 displays duelistes légendaires. J'ai vraiment pété un câble. Bah, en fait, le fait est que je regarde énormément de sites internet pour acheter des cartes Yu-Gi-Oh, mais énormément, même ceux qui sont pas connus. Et tout simplement, il n'y en avait quasiment plus. Donc du coup, je voulais faire mon petit stock, que ça prenne un peu de valeur, entre guillemets, voilà. Ou que je vends des boosters à l'unité, je sais pas trop en fait comment je vais faire. Je veux choper à mort du yeux rouge, que ce soit pour moi ou pour les gars de la team. Donc voilà,
J'ai préféré couvrir mes arrières, si on peut dire ça comme ça. Donc ça, c'est vraiment très très sympa. Et je peux vous montrer le petit détail de la facture. Voilà les gars, comme vous avez pu le voir, j'ai fait une petite photo de la facture, voilà, comme ça, parce que le focus il est un peu chiant, mais vous avez vu, 700 €, bon, ça fait un peu mal au cul, je vous le dis quand même, 700 € juste en plus pour quasiment que des displays duelistes légendaires. Bon, on va s'ouvrir ça avec les gars, ne vous inquiétez pas, je recherche énormément de yeux rouges, de toute façon ça va être des cartes que je vais trade pour le CDF, tout simplement, également, bah, justement, un blinder, parce qu'il est... Franchement, je surkiffe Kaiba, je suis le dragon blanc, je suis dessus, donc c'est normal que je le prenne. C'est également pour mettre les cartes qui sont dedans. Également un playmat, où encore une fois, je suis dessus, c'est stylé. Mais 15 € le playmat, je suis sûr qu'il est vraiment sympa. Franchement, c'est un kiff. Et également les deux éditions spéciales qu'on va s'ouvrir très bientôt. Franchement, je cherche les Vanley Match. J'espère que je vais le taper dedans, mais bon. Ah, je me fais pas trop de films non plus en ce moment. Les boosters, la chance, tout ça, ça me réussit pas trop. Les gars, sur ce, franchement... c'est pas tout les gars, je vous promets, ceux qui n'ont pu voir sur les groupes Facebook, ce n'est pas tout, j'ai encore fait deux autres commandes, des displays qui, ça fait quelques années qu'elles sont sorties, des vrais trésors que j'ai trouvé sur des sites internet, mais je me demande encore comment c'est possible que moi j'ai pu en avoir, il y a encore je crois 4 voire 5 displays, plus des éditions spéciales, donc franchement les gars, ça va être un truc de fou, ces prochaines semaines ça va être un putain de truc de fou, clairement. N'oubliez pas les gars, que tout ça, c'est grâce à vous. Tout ça, c'est... Les gars, on est plus de 300. Oh, je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour moi, c'est un truc de fou. On est plus de 300, c'est un truc à se tirer par les cheveux. Il y a encore quelques semaines, j'avais pas grand monde. Les gars, plus de 300. Donc, grand merci à vous. Franchement, un grand, grand merci à vous. Parce que tout ça, c'est grâce à vous. Tout ça, c'est grâce à vous, les gars. Donc, évidemment, il y aura des boosters gagnés. Il y aura des concours, des giveaways. Appelez ça comme vous voulez. Que ce soit avec ces éditions-là, avec les futurs displays que je vais me prendre. Enfin, que je vais me prendre, que je me suis déjà pris. Mais bon, les transporteurs, ils me mettent un peu de temps à livrer. Les gars, tout ça, c'est grâce à vous. Donc, ça me fait vraiment chaud au cœur. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, abonnez-vous à ma chaîne parce qu'il y aura justement plein de vidéos. Franchement, ces prochaines semaines, ça va être vraiment le feu. Il y aura des giveaways, il y aura... Franchement, les gars, mais ça va être un truc de niqué. Clairement, ça va être un truc de niqué. Donc, franchement, mettez-moi un max de likes pour cette énorme vidéo, pour cette facture de fou. Je vous montrerai, je pense, à la fin du mois de mai, tout ce que j'ai claqué dans Yu-Gi-Oh! Ce mois-ci, ou même ces derniers mois, on va, vous allez halluciner, clairement. Mais les gars, c'est pour me faire plaisir, c'est également pour vous faire plaisir en remportant des boosters. Sur ce, portez-vous bien. N'oubliez pas que tout ça, c'est grâce à vous. On se dit à la prochaine. C'était Dragon Blanc 57. Ciao tout le monde.